la viande séchée? Alors, je vais vous montrer comment je la réalise à partir d'un morceau de viande normale. Ça peut se faire avec plusieurs viandes, mais je vais vous expliquer ça en direct. Allons-y. Ici, j'ai un magnifique morceau de dinde d'environ 800 grammes. À côté, je me suis préparé un plat et du gros sel que vous pouvez utiliser jusqu'à 3 fois. Celui-ci a déjà servi une fois, mais je vous expliquerai ça plus tard. Il s'agit donc de sel marin. Moi, je le mets dans un gros pot comme ça pour le garder. Alors, vous commencez par mettre une bonne couche d'un à 2 cm d'épaisseur de gros sel au fond, bien étalé à plat. Ensuite, vous disposez bien sûr votre morceau de viande. S'il est un peu humide, vous le séchez un peu avec du papier du sopalin. Ensuite, vous recouvrez le tout de sel. Il faut mettre suffisamment de sel pour qu'il y ait une bonne couche, hein. En tout cas, plus d'un centimètre en dessus. Voilà, je tasse un petit peu. Et voilà. Et je vais mettre ça ensuite au frigo. Et je vais le laisser 2 jours. Si le morceau de viande dépasse 1 kg, vous le laissez 3 jours. Mais là, avec à peu près 800 grammes, 2 jours suffiront. Alors, je vais mettre mon plat maintenant au frigo. Et on va voir dans 2 jours la suite des opérations. J'ai ici un beau morceau de porc. De la côtelette de porc. Pas grasse du tout. Un bon kilo, je vais la mettre au sel et laisser ça 3 jours dans le sel, vu que c'est un petit peu plus qu'un kilo. Comme on voit, mon sel n'est pas blanc parce qu'il a déjà servi une fois. Je l'utilise en tout cas 2 fois minimum, des fois 3 si je vois qu'il est encore bien. Voilà, j'ai mis une bonne couche de sel déjà. Je l'ai séché déjà. Oui, je le mets plein de sel. Avec du papier ménage, sauf à pain. Hein. Et maintenant, je vais le couvrir avec le sel. Une bonne couche, qu'il y en ait vraiment partout. Et faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Il faut vraiment la bonne couche de sel. On voit, elle est bien rose, mais elle va devenir un peu noire avec le sel. C'est normal, le sel, ça va la cuire. Voilà, encore un petit peu là. Il faut plus qu'on voie la viande, hein. Et voilà, un morceau et dans le sel, avec une bonne couche de sel. Et je vais mettre ça au frigo pendant 3 jours. On se retrouve dans 3 jours. Ici, j'ai un magnifique morceau de lard d'environ 800 grammes que je vais mettre au sel aussi. Donc, je prends du sel, je mets une bonne couche dans mon plat. J'en mets assez. Je pose mon lard dessus et je le couvre de sel. Il faut mettre assez, hein. Pas avoir peur que ça déborde un peu. Une bonne couche dessus la viande aussi.
sur les côtés et dessus. Voilà, je tasse un peu et vu que le morceau fait 800 grammes là, je vais le laisser 2 jours au frigo. S'il faisait un peu plus de 800 grammes, je le laisserais 3 jours. Mais là, 800 grammes, 2 jours, c'est parfait. Alors, je vais le mettre au frigo et on va voir dans 2 jours ce que ça donne. Après avoir passé 2 jours dans le sel, je vais retirer mon morceau de dinde. On voit qu'il a déjà diminué, il a déjà perdu beaucoup d'eau. Mais il a changé d'allure aussi, il est partiellement cuit par le sel. Alors je vais le mettre à tremper. Il faut que je rajoute un peu d'eau. Pendant 2 heures, 1 heure par jour qu'il a passé dans le sel. Le sel, là, on voit, si je vais au fond, il y a beaucoup d'humidité qui a été retirée de la viande. Hein. Alors, je vais faire sécher ce sel et je vais pouvoir l'utiliser encore une fois. Je peux utiliser jusqu'à 3 fois le sel. Hein. Ici, mon morceau de viande, ben, je vais le laisser donc 2 heures dans l'eau. Entre temps, je vais changer 1 ou 2 fois l'eau pour vraiment extraire tout le sel qu'il y a dedans. Hein. On se retrouve dans 2 heures. Alors, je viens de sortir mon filet de dinde de l'eau. Je l'ai bien séché avec du papier absorbant pour enlever encore tout le liquide. Voilà un beau morceau qui a passé 2 jours dans le sel. Et maintenant, je vais le couvrir d'épices. C'est un mélange que je fais. Moi, il y a principalement du poivre fin, du paprika, un peu de curcuma et d'autres épices un petit peu moins comme il y a du curry, il y a du girofle. Enfin, tous les épices que j'aime. Et puis, je vais en mettre suffisamment. Enfin, vous faites le mélange qui vous convient. Moi, il y a aussi du piment parce que j'aime bien que ça relève. Mais et je frotte bien partout. Faut pas avoir peur de mettre suffisamment d'épices. Hein. Et de bien masser la viande avec. Voilà. Faut vraiment qu'il y en ait partout. Hein. Voilà. Et maintenant, encore un tout petit peu. Voilà. Je vais rouler ça dans mon linge. Et je vais bien le serrer. Voilà. Ça fait maintenant 2 jours que ma viande est dans le sel. Je vais la sortir du sel. On voit que mon lard a changé d'allure. Il est déjà partiellement cuit par le sel. Mais bon, là, il est beaucoup trop salé. Alors, je vais le mettre dans l'eau environ 2 bonnes heures. Vu qu'il a passé 2 jours dans le sel, je vais le laisser 2 bonnes heures. Si le morceau est un peu plus gros et qu'il a passé 3 jours dans le sel, on va le laisser au moins 3 heures dans l'eau. Et entre-temps, on va une fois changer l'eau pour vraiment extraire tout le sel superflu. Alors, on se retrouve dans 2 heures. Morceau de lard qui a trempé 2 bonnes heures dans l'eau après avoir passé 2 jours dans le sel. Je vais l'éponger un maximum avec du papier absorbant pour enlever toute l'humidité
qu'il y a autour. Il faut bien enlever l'humidité, hein. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais prendre un linge. Je mets mon mélange d'épices sur ce linge, il faut mettre assez. En fin de vidéo, je vous mettrai un descriptif de mes épices, mais ça c'est vraiment très personnel. Chacun met les épices qu'il aime. Moi j'aime que la viande soit un peu relevée. Pas trop, parce que certaines personnes pourraient plus les manger. Mais bon, moi j'aime bien que c'est relevé. Alors, on masse un peu la viande là, avec ces épices. Hein, je rajoute un petit peu, faut pas avoir peur d'en mettre des épices. Hein. Et puis, on essaye d'en introduire partout. Voilà. Et maintenant qu'il y a bien des épices partout, je vais enfermer ça dans mon linge. Bien, bien serré. Maximum. Voilà. Et pour que ça reste bien serré, je vais mettre quelques élastiques autour. Pour que ça reste comme il faut. Comme ça doit rester. Allez. Ça, c'est bien serré et les épices sont bien en contact avec la viande. C'est ce qu'il faut. Et voilà, mon petit paquet est fait. Maintenant, je vais le mettre au fond de mon frigo, dans la partie à légumes. Et je vais le laisser à peu près 5 semaines, comme ça. Alors, on va attendre 5 semaines et voir ce qui se passe. Comment est mon morceau de viande dans 5 semaines. On se retrouve dans 5 semaines. Ça fait maintenant un mois que mon morceau de viande est dans le fond de mon frigo. Nous allons voir le résultat. Attention aux épices, pas en mettre partout. Magnifique. Magnifique. Je vais en couper un petit bout pour voir l'intérieur. Et voilà le moment tant attendu. Je vais couper ici. Merveilleux, bien rosé. J'ai hâte de le goûter. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais régler. Voilà. Non, comme ça. Prêt à être mangé. Coupé très très fin. Je
Je vais essayer un tout petit bout. Très très bon. Yeah, ça a un très bon goût. Je vous invite à essayer. Ma foi, j'ai pas pu résister. Dès que je l'ai ouvert, j'ai commencé à le goûter, à manger. Mais regardez voir ça, cette belle viande, puis c'est tendre. Ah, c'est fabuleux, il faut couper fin. Malheureusement, j'ai pas de trancheuse, alors je fais ça avec un couteau qui coupe, mais ça fait pas envie, ça. C'est quand même extraordinaire. Oh là là, c'est très très bon. Voilà, regardez voir ça. Encore un petit bout. Et le reste, je vais le mettre au frais pour... Autrement, je vais tout manger d'un coup. Alors, il faut quand même que j'aille moelle à l'autre morceau. Ben, je l'ai déballé, j'ai pas pu résister. C'est tellement bon, mais celui-là, je le déballe devant vous. Alors voilà, j'ai enlevé toutes les élastiques. Et maintenant, bien sûr, après un mois au frigo, il a un peu rétréci, hein, c'est tout à fait normal. Et voilà, le morceau de viande. Quelquefois, il arrive qu'il y a quelques petites moisissures, mais c'est pas grave. Là, j'ai comme une brosse à dents, une petite brosse là. Je l'ai nettoyé comme ça. Et c'est tout bon. Voilà. En tout cas, il est à bonne façon. Il est encore un peu tendre. Bon, à être consommé. Là, je vais le couper. Couper un morceau comme ça. Comme ça, vous voyez bien. Comme mon morceau de lard. Mais c'est fantastique. Il reste plus qu'à le déguster. On voit, il est bien. Hein? Il est bien rosé et tout. Et avec les épices autour, ça donne un super goût. Ah, il faut que je goûte ça tout de suite. Là. Bien sûr, j'enlève la couenne. Hein? Et voilà. Voilà. J'étais dans les épices. Et voilà, l'or à fumer, à manger creux. Je me rappelle plus s'il était fumé celui-là, mais bon. Je vais déguster, je vous invite à en faire autant. Et ça, c'est fabuleux. Extraordinaire. Extraordinaire.